Bonjour à tous les gars et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mountain Blade 2 Bannerlord avec Attila. Alors j'ai fait pas mal de hors-cam comme vous pouvez voir, donc j'ai recruté des généraux hors-cam comme vous pouvez voir. Il y a la faction des Jawal, j'ai réussi à les soudoyer, donc ils faisaient partie de l'Empire Septentrional. Ils m'ont coûté que 16 000 deniers par rapport au groupe de Nikazor. Vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait payé le groupe de Nikazor 205 000 deniers, je crois, et ils sont venus qu'à 2. Alors que là, Farim des Jawal, et ils sont venus à 3. Donc il y a l'Azif des Jawal et Iskar. Ça fait 3 nouveaux généraux encore, de plus. Et Nikazor, bah, j'ai donné également un fief pour chacun. Donc les fiefs, ça c'est uniquement ce qu'il me reste. Donc ça a fait du jour, hein. Dans les châteaux, regardez, il m'en reste très très peu. J'ai pris les meilleurs, hein, en prospérité. Donc château de Varagos qui paye pas trop mal. Et le château de Rezos. Donc la loyauté, hein, qui continue encore à chuter sur le château de Rezos, ça devient inquiétant. Et pour ce qui est des villes, normalement, Epicrotea, j'ai envoyé ma belle-sœur Léoncia parce que j'ai donné ma ville Ficaon. Donc je l'ai donnée à Nikazor. Justement, donc voilà, ça lui fait une ville. Et niveau fief, bah, comme ça, tout le monde possède quelque chose, à part la Légion des Trahis, mais ça, c'est des mercenaires, hein, qu'on paye. Donc, forcément, Vasilops, tout ça, là, c'est des mercenaires. Donc, je leur ai pas donné de fief, hein, bien sûr, parce qu'ils peuvent se barrer à tout moment. Ils vont pas rester dans notre faction. Mais au moins, voilà, les Lupins, bah, ils ont un fief. Ils ont le château de Morenia. Les Jawal, c'est pareil, je leur ai donné le château d'Ataconia. Les Chonis, je leur ai donné Ficaon. Et comme ça, tout le monde est content. Ils ont chacun une ville ou un château. Les Vetranis, bah, c'est pareil. Ils ont Amprella et le château de Jogoris. Et les Léonipardes, Poros. Donc, c'est lui qui avait déjà cette ville-là. Hein. Je ne l'ai pas capturé. Et le château de Taurios. Donc, voilà, super. Et puis moi, bah, j'ai le restant, bien sûr. Diatma et Picrotea. Les villes qui sont vraiment les plus prospères, je les ai gardées. Donc ma ville la plus prospère, c'est vraiment Epicrotea et Saneopa. Hein. C'est vraiment ces deux-là qu'il faut surtout que ça tombe à zéro, la loyauté. Malheureusement, on voit la loyauté qui est en train de baisser pour Epicrotea. Et Saneopa, bah, on est à plus 0,21. Donc bon, ça se maintient en équilibre. J'espère que ça va remonter pour Epicrotea. Je veux vraiment pas la perdre. On est pratiquement à 500 défenseurs pour la ville Epicrotea. J'ai mis la blinde en garnison en tout cas. Donc voilà pour ça les gars. Donc dans cet épisode, on va se concentrer pour finir l'Empire Septentrional. Donc on va les raser en prenant le château de Makalovea là-bas et Mazadan. Et puis là, bah, ils sont attaqués par l'Empire Occidental. Donc bah, si l'Empire Occidental reprend le château là-bas, ça m'arrangerait pour dire parce qu'on est quand même assez loin de ce château. Alors que là, on pourrait finir la frontière ici proprement. Donc on va essayer de récupérer ça. On est quand même à 824 pour l'instant dans l'armée. Et attendez, il y a encore pas mal de monde qui est potentiellement pour nous rejoindre. Donc bah, quand tout le monde sera dans notre groupe, je pense qu'on sera à 1500, un truc comme ça. Donc le château, forcément, il va nous revenir assez tranquillement. Donc c'est parti, direction le château de Makalovea. On va y aller les gars. Voilà, ça nous rejoint. On est pratiquement à 1000 déjà. Alors, il y a une baston là. Ça pourrait être intéressant de les finir. Allez, on va se les faire. Voilà, ils sont pas trop nombreux. On va les combattre. Et puis, bah, on va envoyer les troupes. On va pas s'embêter pour 165. On a le groupe de Manteos. Donc, je crois qu'on pourrait le soudoyer après. Pour venir dans notre clan. Donc, pourquoi pas. Allez, on va envoyer les troupes. Et j'espère qu'on va pas avoir trop de morts. Donc 8 morts et 10 blessés, c'est excellent. Très bel baston. On n'a pas perdu grand chose. Super. Donc on a capturé Germana. Donc fait partie des Varetzes. Hein. Il faudrait Maridzios. Donc pour l'instant, ça va pas nous donner grand chose. Vasilia fait partie. Donc il faudrait Ancurion. On pourra pas. Et on n'en a pas d'autres. Donc peut-être que dans mes généraux, c'est eux qui vont capturer les autres. On verra bien. Alors prisonniers, ben, on prend tout le monde. Et les troupes, on est même un petit peu trop nombreux. Donc on va virer Ménavliaton impérial. Tant pis, on n'a pas le choix. Oh par contre celui-là, je le récupérerai bien. C'est excellent ça. On va le récupérer. Hop. Voilà. Voilà, super. Donc là, on les a nettoyés. On va attaquer le château maintenant. On va placer le siège.
Voilà, on est parti les gars. Belle baston qui nous attend. Alors, j'aimerais bien faire un bélier quand même avant. Bélier, tour de siège. Ouais, on va s'en faire deux. Donc, ils sont 455 quand même là-dedans. Ils sont nombreux. Et ils font des balistes, hein, donc c'est un petit peu moins puissant que les catapultes, hein, je crois. On est quand même 1337, les gars. Ça va être une belle baston. On a fini les deux tours de siège, le bélier. On y va comme ça. Et si on pourrait finir l'Empire septentrional, ça m'arrangerait, hein, vraiment. Ce serait vraiment cool. Donc, les archers, alors. Donc, je vais mettre à chacun un commandant. Et puis, bah, je vous retrouve tout de suite quand c'est prêt. À tout de suite, les gars. Alors, voilà, c'est bon pour les commandants. Et puis, bah, on est parti. On lance l'assaut, les gars. Donc, j'ai mon épée à deux mains cette fois. Ça va être un petit peu mieux. Et bien sûr, double carquois pour faire le maximum de dégâts. Alors, on va laisser le cheval ici. Alors, ça vient là-bas. Ok, il y a du peuple. Ouais, il a bougé. Ils sont un petit peu loin, puis il y a les arbres là, ça me fait chier. On va s'avancer. Alors lui là, il peut se le faire. Oh bah d'accord, ok, bah moi je suis mort. Bon, j'espère qu'ils vont réussir. Putain, c'est chaud quand même avec l'arc. Hein. On se fait dégommer assez facilement. Alia s'est trouvée blessée également. Ok. Allez, on va accélérer. Bon bah c'est super ça les gars, on a perdu que 55 gars, 47 blessés, donc ça va. C'est géré l'attaque, 315 morts quand même hein, pour leur côté, c'est énorme. Et ils sont dans le donjon donc on va envoyer les troupes. Voilà super, excellent. Donc soldat asturgien, on va le récupérer bien sûr, donc on n'a pas perdu beaucoup de troupes, parfait. Allez, on a le château, ça c'est bien. Alors on va faire preuve de pitié. Je sais que Vasilops, hein, bon, bah ça c'est le mercenaire. Donc s'il part, c'est pas trop grave, hein, tant pis. Il a aucun fief, donc même s'il part de notre armée, ça me dérange pas trop. Parfait.
Donc le château nous appartient, ça c'est bien. On va arrêter toutes les constructions déjà. Et bien sûr, on va mettre pour la loyauté. Et on est encore quand même à 0,71 dans le négatif. Donc j'espère que ça va remonter un petit peu. Donc niveau garnison, on va récupérer les meilleurs soldats. Voilà, excellent. Et les prisonniers, bah, on a ces quatre-là. Donc on va donner, bien sûr, Germana. Je vais peut-être même revendre tout ça, là, les prisonniers. On verra bien. Ça va nous faire du fric. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Ok. Manteos, hein, je crois que c'est lui. Archonte. Donc, on va pouvoir le recruter. C'est tout à fait possible. Ok. Donc, on va le prendre. Aldric, de la culture vlandaise. C'est le chef. Donc, on va pouvoir prendre Aldric et Manteos. C'est le chef, donc on va pouvoir parler à Péric également. Donc ça en fait 3. Allez, on va les prendre. Donc Manteos, Péric, et c'était qui? Aldric, hein, je crois. Ou Arcor. Ah, je sais plus. Bon, allez, on prend cela. Et on va leur parler. Donc Manteos, est-ce que tu veux venir nous rejoindre ou pas? Ah, il est pas contre. Il est pas contre, lui, déjà. On va tester. Alors, on a un succès critique. Donc si on réussit, bah, ça va nous faire 2 points directs. Par contre, 11% quand même. Donc j'arrive pas à le persuader, malheureusement. On va réessayer, mais sinon après, on fera les autres, hein, bien sûr. Et puis bah, s'il y en a un déjà sur les 3, tant pis, on continuera le jeu comme ça. Donc on réessaye. Et on va faire les 3 d'affilée pour voir si ça marche ou pas. Allez, on va essayer celui-là. Inefficace. Là, ça a marché. Inefficace. Bon, bah là, c'est baisé. Je pense qu'on va pas réussir, les gars. Ouais, 2 sur 4. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer aux autres. Alors, Péric. Non, il veut pas. Ok, il veut pas non plus. Donc, il y a uniquement lui qui pourrait potentiellement nous rejoindre. Les deux autres, c'est mort. Hein. Ils veulent pas, ils sont trop loyaux. On va essayer encore avec lui. On va essayer 21% là. Efficace. Là, on avait une chance sur deux, malheureusement. Ça passe pas. Bon, bah, c'est mort. Hein. Tu vas retourner dans tes geôles. Allez, hop. On va les laisser là-dedans. Donc le château, ouais, tout est bon. Ok. Donc j'espère que ça va remonter pour la loyauté. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus de milices du tout hein, à l'intérieur. Et la garnison, c'est pas ouf non plus. Donc on va attendre. On va voir si ça augmente ou pas. Donc déjà, c'est un petit peu mieux d'avoir le château maintenant ici. On était vraiment très très proche des Picrotea. Donc il fallait absolument le château. Et ce château-là, par contre, je vais me l'octroyer. Hein, parce qu'on est vraiment bien implanté dans ce secteur. J'ai Diatma à côté et Picrotea. Saneopa également. Donc bien sûr, ce château, il me le faut absolument. Ça, ce sera pour moi. Peu importe sa prospérité, je le garde, ainsi que celui de Mazadan là-bas. Voilà, ça c'est clair et net. Donc le château ici a été pris. Hein. Donc il leur reste plus que le château de Mazadan, et puis bah, ils sont rayés de la carte. Hein. Il n'y a plus du tout d'empire septentrional sur la map. Donc bah, on va essayer de le capturer, c'est le dernier qui leur reste, et puis bah, on en finit avec eux. Donc super. On pourrait proposer la paix, hein, je suis sûr. Considérer la proposition de paix en recevant un tribut de 220 par jour. Donc 220 deniers, c'est même pas la peine. Vu le prix des versements de tribut qu'on fait, on paye quand même 15 300 deniers par jour. Donc c'est hors de question. On va continuer à attaquer. Le château de Mazadan là-bas. On est parti. On va peut-être recruter un petit peu sur le passage là-bas. Voilà, ça recrute. Excellent. Moi, je suis maxi, hein, de toute façon. Et on a le vote pour le château, donc ça, forcément, ça va être pour moi. Ah, d'accord. Je peux pas voter pour moi, là, les gars. Donc, c'est soit je donne à lui, au Lupin ou Nikazor. Ouais, bah, il n'y a pas mon nom. Et la prospérité était pas si mal que ça. Hein. 1272, c'était vraiment pas mal. Donc là, on est déjà à 100 avec lui en relation. Le plus bas, c'est lui, avec les Lupins. Donc, ce sera pour les Lupins. Allez, c'est lui qui va gagner. Donc voilà pour toi.
Donc notre armée est vraiment très très forte, hein. Regardez maintenant la puissance totale. On est à 4800. Donc bah eux, c'est terminé pour eux, hein. Franchement, je pense que l'Empire septentrional, on capture le château, là, le dernier qui leur reste, et puis bah ils n'ont plus rien. Donc ils seront rayés de la carte. Ça fera une faction en moins, les gars. Tant mieux. Allez, on est parti. On va les terminer. Il y a Marizios là-bas. Ça serait bien qu'on pourrait le prendre, mais je pense pas. Il va beaucoup trop vite, hein. Ouais, malheureusement. Et ils sont plus que 300 à l'intérieur, donc ça devrait aller assez vite. Allez, on fait les tours. Et on est parti, les gars. Dernier château qui leur reste. Ça fait plaisir. L'Empire septentrional, c'est terminé. Hein. Ils seront rayés de la carte. Alors, je vais remettre un petit peu de cohésion, moi. Et puis, ben, on est parti, les gars. Léoncia qui est enceinte, donc bah, c'est ma belle-sœur. Donc, mon frère aura un fils également. Ils n'ont même pas eu le temps de finir les catapultes. Il n'y en a qu'une fonctionnelle. Donc, ça devrait aller. On va pas perdre beaucoup de troupes. Et ils sont que 300, donc super. Allez, on est parti. On les attaque. Et dernier château pour eux. On doit les rayer de la carte normalement après ce combat. On va voir ça. Oh, le château est stylé quand même là. Donc il fait pas vraiment solide parce qu'on dirait que c'est du bois. Ouais, c'est un peu en bois. Le château. C'est assez spécial. Mais il est pas mal. Il est vraiment pas mal quand même. Ok, ça se positionne là-bas. On attaque les gars. On est parti. Oh, ça lui a frôlé, lui. On est parti, les gars. Ok, ça commence à me cibler. L'avoir lui. Voilà. Ok, il y en a de l'autre côté. On va se les faire. C'est pas mal, hein. Franchement là, on fait pas mal de dégâts. C'est là-bas. Ok, allez, on va y aller. Ok, allez, on prend l'épée à deux mains. On y va, les gars. Ça se bouscule là-dedans, regardez ça. On n'arrive même pas à monter là.
super. Rentrer en force là-dedans, là. Ouais, on va essayer de se les faire à l'arc, hein, bien sûr. Oh, on a eu un. Ok, bah super. Ah, c'était une belle basse-tour. On a perdu que 14 mecs. Ouais, c'est vraiment très très peu. Excellent. Le Romain qui a pris 7 alarmes de jet. Excellent. Bon, bah voilà, je pense qu'ils sont morts, hein, clairement. Oh, j'ai bien envie de le récupérer. C'est un très bon chevalier, ça. On va virer un truc assez pourri. Allez, toi. Et prisonnier, bah, bien sûr, on prend tout le monde. Allez, l'Empire septentrional. Terminé pour eux. Donc, ils ont plus de château, hein, normalement. Pourquoi on n'a pas vu la petite cinématique, là? Donc, gérer le château, déjà. On va virer ça. Et on n'est plus qu'à 8 de loyauté. Donc, ouais, il faut absolument que ça augmente. Ok. Normalement, on est à plus 4 avec ça. Ça devrait faire, les gars. Allez, parfait. On a le château. Alors, dans les oubliettes, on a Maridios. Donc, je pense que je vais le récupérer. On n'a pas d'autres généraux, nous? Non. Donc, je vais le récupérer et on va essayer de le recruter. C'est parti. Allez, rejoins-nous. T'as plus rien. T'as plus de terre. T'as plus de château. Fais pas le con, mon gars. Accepte de venir. Succès critique. Ça, c'est bien. On est bien parti avec lui. Ok. Ça se passe bien pour l'instant. Et 49%. Bon, bah, c'est une chance sur deux. J'espère que ça va passer. Succès. Voilà, c'est bon, les gars. On va pouvoir le recruter. Donc, Archonte Maridios. Oh, il a de la famille. Hein. Regardez ça. Super. S'il vient nous rejoindre, alors là, c'est excellent. Il va ramener pas mal de monde. Il y a des naissances également. Allez, rejoins-nous, mon gars. Qu'est-ce que tu proposes? Oh putain, il coûte cher. Hein. 195 000 deniers. Ah oui, il est cher. Hein. Il est très très cher. J'espère qu'il va ramener pas mal de monde avec lui. Parce que là, 200 000 encore, ça picote hein, quand même. Allez, on le prend. Et on a augmenté de 55 avec lui. Excellent. Super, ça nous fait un général en plus, les gars. Alors, pour négocier la paix avec l'Empire septentrional, donc combien ils proposent, là? Parce que là, on n'a plus de fief pour eux, hein, normalement. On les a finis. Ouais, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Il n'y a plus que des petites unités comme ça qui traînent sur la map. J'en ai vu tout à l'heure, là. Ouais, ici. C'est le groupe de Tatik. Donc, bah, ils n'ont plus rien. Hein. Ils sont finis. Peut-être qu'ils vont nous payer un tribut, on va voir. Ils proposent de nous verser un tribut quotidien de 710 deniers en échange de la paix. Ils ont plus de fief, donc on va accepter. Ce sera toujours mieux que rien. Excellent. Alors, qui c'est qui a level up, là? Rome Kent. Ok. En athlétisme. On va prendre les points de vie, hein, ça c'est clair. Bon, bah voilà, bah, l'Empire septentrional, c'est terminé pour eux. On a récupéré deux châteaux quand même. Donc l'objectif a été atteint dans cet épisode. Et on est en guerre contre les Vlandais, donc bah, on va se diriger par là-bas, hein, les gars. On va essayer de prendre quelques territoires là-bas. Donc, combien d'hommes il a ramené, lui-là? Alors, il y a Erki, on va pouvoir le récupérer. Excellent. Groupe de Pratendia. Donc, je crois qu'il a ramené celui-là. Il n'y en a pas d'autres, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors oui, j'avais jamais visité les châteaux comme ça avec vous. Ça va être l'occasion. Donc là, c'est quand même un château un petit peu pourri. Hein. On va pas se mentir. Ouais, franchement, la salle du trône. Regardez la gueule du trône, là. Waouh. C'est quand même un peu moisi, ici. Hein. Et la cour du château. Ouais, c'est pas un château super, hein, quand même. Franchement. Ouais, vraiment pas top. On a quelques gardes hein, qui surveillent. Rien à signaler, votre seigneurie. Ok, parfait. Donc ça y est, l'Empire septentrional, c'est terminé pour eux. Donc l'Empire septentrional nous verse un tribut de 317 deniers. Donc c'est pas suffisant, hein, clairement pas. Mais au moins, on va les laisser tranquilles maintenant.
Et puis nous, on va se concentrer vraiment chez les Vlandais. Il n'y a que là qu'on peut faire des guerres, donc ok. On va repartir à Épicrotéa, j'ai pas mal de choses à revendre. Les prisonniers également. Peut-être faire le repère pendant que je suis là. Allez, on va se le faire. Je vais prendre Romain, ma femme, Alia également. Et on est parti. Allez, les archers ils vont me suivre. Ça, ils vont prendre un petit peu de level. Pas grand monde sur la carte. Okay. Allez, on va les déchirer. Ils sont pas nombreux. Ok, super. Donc c'est Alia qui s'est trouvée blessée. Okay. Voilà, le camp de brigands a été nettoyé. On passait à côté, donc vu qu'on a les deux châteaux là, la ville à côté, ça peut faire du tort. Hein. Donc c'est pour ça peut-être que la loyauté était si basse. Ça va peut-être augmenter comme ça maintenant. Alors, qui c'est qui a level up là? Donc c'est Alia qui a monté. Ok. Perforation, c'est quand même pas mal. On va prendre ça. Et athlétisme. Réduit le poids de votre armure de 15%. C'est quand même pas mal ça. Allez, on prend ça également. Parfait. Donc on retourne à Épicrotéa, les gars. Donc on a Erki qui va nous rejoindre. Et on a le vote pour le château de Mazadan. Donc j'espère que cette fois, ça va être pour moi. J'aurais préféré ce château parce qu'on est très proche de notre ville. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Allez, on va voter. Et on n'a pas notre nom, donc comme ça, c'est tout de suite fait. Donc je vois que Maridzios, hein, de toute façon, c'est le dernier venu dans notre clan, donc ça va être pour lui. On va lui donner ce château. On est à 59 de relation avec lui et 65 avec Jawal. Donc allez, on va voter pour Maridzios, les gars. C'est normal que ça lui revienne. Et le château, c'est pas super, hein. En plus, 1064 de prospérité. Donc on lui donne sans problème. Voilà. Comme ça, il va être content. Bon, c'est parfait ça. Alors, taverne. On va rançonner tous nos prisonniers. Commencer par ça. La ville. Alors, comment que ça se passe là? On est revenu à plus 0,18. Pénurie de nourriture. Ouais, il va falloir qu'on redonne un petit peu de bouffe ici. Donc, on est vraiment tout juste en fait avec la loyauté. C'est un truc de fou. Ok. Alors, commerce. On va remettre un petit peu de bouffe là-dedans. Alors, du sel déjà. 61, c'est pas mal quand même. On va pouvoir en redonner un petit peu. L'huile également, c'est pas mal. Céréales, on va en donner. Voilà. La viande, on peut un petit peu en donner. Ok. Voilà, donc pour la pénurie de bouffe, hein, je pense que ça devrait être mieux. Donc là, on va attendre un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Ah, pourtant, la bouffe est revenue, hein, c'est ça que je comprends pas. Garnison, moins 22, d'accord. Prospérité, moins 161. Ouais, je pense que ça va revenir, hein, gentiment. On va laisser se faire. Alors, on a soudé le faucon qui est revenu. Donc, on va lui recréer un groupe, hein, bien sûr. Alors, soudé le faucon. On va lui refaire un groupe.
Et du coup, je vais recruter directement ici. Donc, on va lui redonner un petit peu de tout. Et on va lui donner bah, les troupes qu'on lui a préparées. Donc, déjà 87 sur 114. Et on va lui redonner. Alors, on a un petit peu de trop. Et 2 Dark Khan Kuzate. Allez. Il est à 102 sur 114. Donc, excellent pour lui. Et puis, bah, il va rejoindre mon armée. C'est parti. Donc, voilà, super. Alors, on s'est bien installé là dans la région. Regardez ça. Les châteaux, les villes qu'on a pris. Là, on est vraiment bien par là. Ficaon, Onira, bah, ça n'a pas bougé trop par là. On n'a pas pris trop d'ampleur par ici, malheureusement. Donc, les Kuzey, il va falloir qu'on les rattaque. Ils prennent un peu trop de villes à mon goût, hein, je pense. Il va falloir qu'on les rattaque très prochainement. Donc, je pense que là, tant qu'on est en guerre contre la Vlande, on va aller par là-bas. Mais quand ils vont venir nous attaquer, je pense qu'on va prendre le château d'Atrion. Misea, on va le récupérer tout ça. Donc ça m'embête hein, d'aller attaquer les Vlandais, c'est très très loin. Limite, je préférerais payer un tribut puis continuer à attaquer l'Empire occidental. On pourrait rattaquer l'Empire occidental, ça serait peut-être un petit peu mieux. Ou les Sturgeons, hein, rattaquer par là-bas. Aux Morts, Crannyrogue, tout ça. Ça pourrait être intéressant. Ou alors on attaque les Kuzites hein, directement. Ça serait combien là pour la Vlande? En payant un tribut de 1130 par jour. Donc c'est pas excessif hein, pour payer un tribut pour les Vlandais. On paierait bien pour être tranquille de ce côté-là. Et on rattaque par contre les Kuzites. Ce serait pas trop mal ça. L'Empire méridional, on pourrait les mettre à sac également. En finir une bonne fois pour toutes contre eux. Allez, on va peut-être s'attaquer à l'Empire méridional, les gars. On va faire la paix contre la Vlande. Ah, ils veulent pas faire la paix, eux. Ok. Bon, d'accord. On va attendre alors. Bah, on va attaquer la Vlande. Hein. On est parti, les gars. Donc, tout le monde a un fief, hein, je crois. Varetzès, là, ouais, je vais peut-être leur donner un petit peu d'influence pour commencer. Allez, on va te donner 50 d'influence. Voilà. Et puis, bah, on va attaquer là-bas, les gars. C'est parti. Ça m'enchante pas d'aller attaquer les Vlandais parce que ça va être très, très loin. Et pour défendre, par exemple, le château de Neviansk, hein, si on veut le capturer, c'est hyper loin. Le temps de traverser tout ça, on va se le faire capturer. C'est un peu débile. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas faire la paix, ces bitos là. Mais bon, bah allez, tant pis. On va se diriger du côté vlandais. Et puis avec 1500 hommes, je pense que on est quand même très très bien, les gars. Regardez comment c'est loin. Et le château de Mazadan qui se fait attaquer. Donc, super. Donc le temps de revenir là-bas, je suis pas sûr qu'on y arrive. Bon, on va essayer de le défendre, le château. Allez, vite. Ils sont que 109. D'accord. Dans l'espoir. Allez, on va se les faire. On va envoyer les troupes hein, pour 109. On va pas s'embêter. Voilà, super. Bon, on a défendu son château. Excellent. Bon, bah, on est parti là-bas, hein, les gars. Château de Neviansk. Oh, il y a armée de Sur là qui vient. Ok, on va se les faire. On va avoir une belle baston là, les gars. Alors, j'ai la cohésion qui commence à descendre dangereusement. On les a rattrapés. Super. Bon, bah, une grosse baston nous attend. Donc, faudrait parler à Peric. Hein, c'est lui qui pourrait potentiellement venir dans notre armée. Ok. Allez, on les attaque. Ils sont vraiment nombreux. Et puis bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Juste après cette baston. On est 1500 contre 950. Ça va être vraiment génial, cette baston. Je pense qu'il va avoir une forêt, par contre. Hein, ça va être moins bien. On n'aura pas de visibilité, malheureusement. Allez, on attaque. Allez, parfait. On est parti, les gars. Une belle baston nous attend, là. Hein. Là, franchement, on va se régaler, je pense. C'est un petit peu loin là quand même pour cibler tout ça. Je crois qu'ils vont nous flanquer hein, quand même. Donc j'ai bien fait de laisser la cavalerie ici. Archers! Hold arrows! Gardez vos flèches. Pour l'instant, ils attaquent pas. Follow me! Troop, follow me!
J'aimerais bien qu'ils viennent là. Ok, donc ça a l'air de venir. Fire and whirl! Allez, feu les archers. On va essayer de se les faire là-bas là. Je crois que c'est les archers ça en plus. Regrouper. Allez, c'est parti. Là, j'ai plus de vie. On va rester avec l'arc, je pense. Putain, la baston immense, hein. Là franchement on se régale. Je fasse gaffe quand même, j'ai plus de vie du tout, hein. Okay.
et ça fuit. Super. On les a massacrés, les gars. On a perdu que 116 hommes. Et dans mon groupe, 0. Donc, vraiment, on a géré, là. J'en ai tué 29 à moi tout seul. On a pris plus 16 à l'arme d'Ast. Excellent. Parfait. Alors, toi. Donc, il faudrait belle gear. Donc, on va te prendre en tant que prisonnier. Varmund. Il faut Servik. Ok, on en a eu que deux. On ne peut pas les recruter, ceux-là, malheureusement. Donc, personne n'a level up, là. C'est assez étonnant. Bon, on prend tout et puis ben, on va revendre tout ça. Excellent. Alors là, franchement, la baston qu'on s'est fait, les gars, on a perdu très peu d'hommes. Là, les Vlandais, ils ont pris vraiment un sale coup. Je pense qu'on va retourner à Epicrotea. Je vais mettre les prisonniers là-dedans. Alors, faire la paix avec la Vlande. On a une offre de paix. Maintenant qu'on a capturé pas mal de leurs généraux et leur armée s'est fait complètement écraser. Ils nous proposent la paix. On va y réfléchir. Pour l'instant, je vais aller à Epicrotea. On est revenu déjà à 1367. Excellent. Donc, les prisonniers à rançonner. Alors... bien sûr, on va verrouiller les deux là. Je vais les mettre dans les geôles. On va rançonner cela. Donc 1826, c'est très très peu. Mais ça fera toujours ça. Dans le donjon, on va mettre... alors, on va peut-être récupérer cela. Je vais leur parler. On va voir si on peut les recruter ou pas. Il y en a encore là. Ok, et ces deux-là, bah, on ne peut pas les recruter, donc ils vont rester dans les geôles. Voilà. Donc bien sûr, les prisonniers, là, je vais peut-être les prendre tous pour les revendre. Ceux-là, ils vont rester dans les geôles. Parfait. Donc on va revendre les prisonniers, bien sûr. On va en profiter. Ça va vider un petit peu les geôles. On récupère 16 350. Excellent. Voilà pour ça. Ah, ça m'a vendu les prisonniers, non ? Je les avais verrouillés pourtant. Comment que c'est possible ça? Ah, j'ai que ces deux là. Ah putain, je voulais pas les libérer moi. Bon, bah très bien. Tant pis. Alors, ils nous font une offre de paix. On va regarder quand même combien que c'est. Ok. Alors maintenant, ils veulent faire la paix contre les Vlandians. Je sais pas pourquoi. Ils ont changé d'avis. Bon, bah d'accord. Allez, on va faire la paix aux Vlandais. Super. Donc les Vlandais, bah, on paye pas de tribut. On n'a pas le logo qu'on paye des tribus. Enfin, je crois pas. On va attendre un petit peu puis pour voir si ça marche ou pas. Je vais quand même m'en assurer. Alors ouais, on paye pas de tribut en tout cas. Donc ça, c'est bien. Et niveau tribut, maintenant, on paye quand même 9600 par jour. Donc ça a quand même réduit. Hein. J'ai vu qu'on était à 17 000 à un moment donné. 17 000 de tribut, c'était vraiment impossible à payer. Là, on perd que 5800. Donc c'est quand même pas mal, hein, 5800, mais c'est déjà un petit peu plus gérable. Ok, ça, ça marche. Donc on est pratiquement équivalent maintenant niveau puissance contre les Vlandais. Donc ils vont avoir chaud aux étiquettes, je pense. Les Sturgeons, alors ils sont encore très très forts par rapport à nous. Les Acérailles, n'en parlons même pas. L'Empire Méridional, bah eux, on va essayer de les finir également. Si on pourrait avoir un petit tribut venant de leur part. On va pas cracher dessus. Les Batagnans, bah, on pourrait les finir. Il reste très très peu de clans. Eux, par contre, ils sont très très forts. Il va falloir les affaiblir à un moment donné. Sinon, on va être très très mal barré contre eux. Les Cusettes, ils sont encore très puissants également. Et l'Empire Septentrional, bon bah normalement, ça devrait pas poser trop un problème. Ils sont vraiment très très peu maintenant. Ils ont plus aucune ville. Donc, bah, on n'est plus en guerre, les gars. Mais on paye pas mal de tribus. On reçoit juste ce tribut-là de l'Empire Septentrional. Et le restant, bah, on paye. Hein, vous voyez bien. Là, on donne quand même à 5 factions
Donc, il va falloir qu'on refasse la guerre très prochainement. Je pense que ça va être l'Empire méridional ou les Batagnans. Mais vu qu'on ne paye pas de tribut pour les Batagnans, je pense que ce serait plus vite l'Empire méridional. On paye 3 300 à peu près par jour, rien que pour eux. Donc, ça ferait déjà du bien si on ne payerait plus les tribus pour eux. La 5 500, 3 100 également pour la Sturgie. Et ce qui nous coûte vraiment, c'est cela. L'Empire occidental, 8 380, les gars. Franchement, il va falloir qu'on les écrase à un moment donné. Et les Kuzeyt, ils prennent beaucoup de deniers également. Donc c'est vraiment ces deux factions-là qui prennent le plus. L'Empire méridional, on pourrait encore les attaquer pour qu'ils puissent nous donner de l'argent. Ils verseraient un tribut comme l'Empire septentrional, ce serait déjà pas mal. Ça pourrait limiter la casse, on va dire ça. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on est bientôt level 5, les gars. Ah oui, d'accord, il manque 5 de renommée et on est level 5 du clan. On aura un compagnon supplémentaire et la taille de groupe supplémentaire augmentée de 15 pour chaque groupe dans le clan. Donc ça, c'est énorme. 75 unités supplémentaires qu'on pourra avoir dans notre armée. Donc ce qui est quand même pas si dégueulasse que ça. Ok, donc on va s'arrêter là, les gars. J'espère que vous aurez aimé. On se retrouve très prochainement sur Bannerlord. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!